Salut à tous, ça y est, premier jour de road trip qui commence en Nouvelle-Zélande après le woofing. Enfin, en vrai, on travaille encore demain et justement pour le travail, on devait venir à Matakana. C'est à 1h30 de route à peu près de là où on était. Du coup, on en a profité pour s'arrêter quelque part en chemin et on a regardé un peu les parcs qu'il y aurait à faire dans le coin. Et du coup, c'est sympa en fait parce que c'est pas du tout un endroit touristique et c'est déjà super beau en fait. Franchement, c'était vraiment génial parce que il suffisait de s'arrêter 2 minutes et juste d'écouter la nature. Il y avait déjà plein d'oiseaux qui chantaient, mais c'est surtout que ça, en Australie, il y en avait déjà pas mal. Mais là, ils venaient vraiment à côté. On les entendait, on entendait les battements d'ailes juste au-dessus de nous. Ils venaient manger. Enfin, vraiment, c'était super. Bon, ben voilà, ça c'est la voiture avec laquelle on va traverser toute la Nouvelle-Zélande. C'est une Mazda Demio de 2004, j'ai payé ça 2 700 $, ça fait à peu près 1 500 €. Et puis ça va, il y a ce qu'il faut comme place dans le coffre. Hop. Cette voiture, je l'ai trouvée sur Facebook, parce que sur la marketplace de Facebook, c'est la première fois que je l'utilisais, mais il y a pas mal de choix. Et sinon, j'avais aussi beaucoup utilisé TradeMe. C'est un genre le bon coin néo-zélandais. Ouais, j'avais aussi un groupe sur lequel je vous conseille si vous venez en Nouvelle-Zélande. Il doit y en avoir pour les autres pays. C'est les Français en Nouvelle-Zélande, quelque chose comme ça sur Facebook. Et c'est vrai qu'il y a plein d'infos, bah voilà, pour si vous cherchez un van, tout ça. Il y en a qui en vendent, il y en a qui... Enfin, il y a plein d'annonces comme ça qui est intéressante, ou même des gens qui veulent juste boire une bière. Donc c'est vraiment sympa comme groupe. On a hésité entre prendre un van ou une voiture pour voyager. Donc le van, c'est ce qu'on avait fait en Australie. C'est bien parce que ça permet de dormir un peu où on veut, tout ça. Mais au final, surtout dans les villes, on n'a pas réussi à trouver beaucoup de free camp en Australie. Donc on devait payer des campings. Et en plus, avec le coût de l'essence, ça nous revenait cher. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc du coup là, on a opté pour la Nouvelle-Zélande une petite voiture et on dormira en hôtel ou en Airbnb, on verra. Donc là, on l'a choisi parce que celle-là, elle consomme vraiment pas beaucoup. Je crois que c'est du 4 litres au 100, un truc comme ça. Donc on a mis un plein, ça nous a coûté 90 $, ça fait 50 €. C'est vrai qu'on a l'avantage de l'euro pour nous, donc c'est bien. Et ouais, parce que la location de van qu'on avait en Australie, ça nous avait coûté vraiment vraiment cher en essence et on voulait pas. On préfère avoir plus de confort et payer des hôtels, quitte à ce que ce soit un peu plus cher que les campings. Et avoir plus de confort plutôt que tout mettre notre argent dans l'essence quoi. Donc on verra, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure du voyage si c'était une bonne solution ou pas, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu les seuls à faire ça. La plupart des gens prennent un van, mais il y a quand même des gens qui se sont posé la question sur le groupe Facebook dont je vous parlais. Donc ouais, je reviendrai là-dessus je pense au cours du voyage pour voir si c'était la bonne idée ou pas. Alors ce soir, on a réservé dans un parc où on est entouré de kauris. C'est les arbres millénaires, ils peuvent atteindre plus de 2000 ans.
et il les replante parce qu'il y en a beaucoup qui ont été coupés pour importer en Angleterre, etc. Donc en fait c'est pour ça que quand on a des balades, on doit bien se frotter les pieds avant de rentrer dans les endroits où il y a les coris parce qu'ils ont les racines fragiles. Et donc on visitera ça demain. Mais d'abord ce soir, on a réservé une excursion de nuit pour aller voir les kiwis. Donc j'espère qu'on sera suffisamment chanceux pour en voir parce que donc c'est des oiseaux nocturnes. Et hier on a rencontré un néo-zélandais assez âgé, je sais pas 70 ans, qui nous a dit qu'il n'en avait jamais vu dans la nature. Donc je croise les doigts pour ce soir. A male call. A woman's a lot more husky. Just gonna wait for the answer. Easy to hear. The male looks after that egg for the entire 3 months. The kiwi female is free to go and mate again, and she'll lay 3 eggs in that time. And each male that she gives an egg to will look after that egg for 3 months. Okay. Once that egg starts to hatch, it takes the chick 1 week to come out of its egg. And then another week to come out and forage for its food. That's a female, it's real. Mm-hmm. Mm-hmm. Husky. Most of all, we're giving thanks for you guys to be. So when you guys go away from here tomorrow, wherever you go, it's a blessing for me, for you, for listening to my story about my people, a little bit about my people. Thank you. Because there's only one thing I could guarantee you here tonight. Okay, it's this one brown kiwi that you stand in front of. Manaaki o ngā tangata. Hū he! Hara mai te toki! Haumi e! Hui e! Tā! Iki he! Thank you very much. Thank you.